Bon, merci Gilles. Le quart d'heure toulousain est presque passé, donc on va commencer. Gilles m'a demandé d'introduire sa conférence de ce soir, donc je vais le faire. Et donc je vais commencer par vous, mesdames, messieurs, chers collègues, vous souhaitez la bienvenue à l'ENAC ce soir pour cette conférence maths et musique, l'équation poétique. Donc organisée dans la semaine des maths à l'ENAC, hein. Cette semaine est l'occasion de faire découvrir au grand public les travaux de recherche de l'ENAC dans le domaine des mathématiques appliquées. Cette semaine touchera à sa fin dimanche soir avec l'annonce des résultats du tournoi des jeunes mathématiciens et mathématiciennes français. Et la conférence de Mme Laure Saint-Raymond, qui est une professeure de l'École normale supérieure et qui est membre de l'Académie des sciences. Donc ce soir, la conférence spectacle que nous fait l'amitié de proposer Gilles Barouin, un de nos brillants enseignants, chercheurs, ingénieurs de recherche, de l'ENAC, est un trait d'union entre une des disciplines fondamentales pour l'école, que sont les mathématiques, et la musique, qui est une discipline également fondamentale pour beaucoup d'entre nous, et pour moi en particulier. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir ma prof de musique, qui me fait souffrir depuis quelques années. Enfin, non, c'est plutôt moi qui l'ai fait souffrir d'ailleurs, parce que je ne suis pas un élève très appliqué en tout compte fait. Les mathématiques occupent en effet une place toute particulière dans le paysage de l'ENAC. Non seulement elles suivent nos élèves depuis leur entrée, leur concours d'entrée, et ce jusqu'à la fin de leur cursus, mais elles sont également la discipline par excellence que nous retrouvons dans tous les programmes de recherche, qu'il s'agisse d'optimisation, de modélisation économique, de gestion des flux du trafic aérien, et d'informatique interactive et d'interaction de machines, d'analyse de big data et compagnie. Mais ça, beaucoup d'entre vous sont plus à même que moi de comprendre tout ça. Je suis un peu largué. La musique, quant à elle, occupe une place importante dans nos activités culturelles, hein, qu'il s'agisse de pratiques proposées aux élèves ou de concerts organisés sur notre campus. La culture est essentielle à l'ENAC. Elle est intégrée au cœur de notre pédagogie grâce à une politique culturelle particulièrement ambitieuse, et ce, depuis la création de l'école. Donc, avant de laisser la place au talentueux Gilles Barouin, dont les publications en mathématiques contribuent au rayonnement de notre laboratoire de recherche, permettez-moi de conclure sur ces quelques mots empruntés à Édouard Herriot, qui résume, selon moi, particulièrement bien l'apport mutuel des mathématiques et de la musique. La musique est une mathématique sonore, la mathématique est une musique silencieuse. À toi, Gilles. Merci. Merci. Super. Alors, merci pour... c'est OK, le son? D'accord. Qui je suis? Who am I? Oh, who am I? Bon, ben... Alors, je suis prof de maths ici, j'enseigne aux IATOM, merci à mes élèves d'être venus, aux GNSS, aux IENAC, les maths et aussi un peu sécurité informatique. Et comme le disait M. Leligné, mes publications comptent dans le labo de l'ENAC. Je suis aussi membre du labo Creatis à l'Université du Mirail, pour la partie qui me donne la caution musicale. Donc tout ça me fait faire des mathématiques. À côté, je suis parti de... On a un groupe de recherche qui s'appelle Art et Sciences, c'est un groupe francophone. On travaille avec il y a des neuropsychologues, il y a des biologistes, des médecins, des gens qui font du sport, des maths, enfin plein de choses. Tourner autour des arts et des sciences, c'est de voir un peu aussi tourner vers les sciences cognitives. Je fais aussi partie de la Société européenne de mathématiques et arts, avec on fait des expositions, des congrès, des concerts, et aussi de la Société mondiale des maths et musiciens, puisque nous sommes une société mondiale. Qu'est-ce que c'est un mathématicien? C'est dur, hein? Alors voilà les mots qu'on utilise pour de vrai. Celui que j'ai créé, c'est le dessus du bas, là. Mathématique glasba, c'est en slovène, ça veut dire mathématiques et musique. Ils ne l'avaient pas dans le dictionnaire, donc on leur a rajouté.
Le terme maths et musique est presque officiel maintenant, puisqu'un de mes rapporteurs de thèse est passé dans le journal Le Monde, et Moreno Andreatta, le mathématicien. Donc c'est un mot que vous pouvez utiliser maintenant, sera bientôt dans le dictionnaire. Alors c'est une vraie discipline, puisqu'on fait partie de American Mathematical Society, on est reconnu au niveau mondial, on a notre propre journal, etc., nos publications, après j'en ai plus. Hein. Voilà. Donc c'est une discipline sérieuse, au même titre que mathématiques et psychologie, ou mathématiques et... je sais pas. Voilà. Donc on est vraiment une discipline reconnue. Je vais commencer par expliquer ce que sont les maths et musiciens et comment je me situe dans ce monde. Vous avez les maths et musiciens qui font de l'informatique. Tout ce que vous avez dans vos téléphones, etc., il y a des maths et musiciens derrière qui ont fait écrire les algorithmes, compresser les données, faire les interfaces, etc. Des informaticiens. On va trouver parmi les maths et musiciens des gens qui font de l'analyse. À l'aide des maths, on va analyser le geste, à l'instar de Guerino Mazzola, qui existe toujours, qui est un des plus grands mathématiciens de notre époque, qui a commencé courageusement dans les années 80 en Suisse et qui a fondé notre société de maths et musiciens. On a de l'analyse aussi spectrale. C'est un peu comme vous avez sur... vous voyez les petits trucs jolis dans Windows, là, le screensaver, ou ce que vous avez, l'équaliseur dans votre voiture. On va analyser le spectre, regarder ce qui se passe dans la musique. On analyse aussi, bien sûr, pour faire des statistiques, faire des bases de données, et nous ficher, reconnaître les voix, etc. Ce sont aussi des maths et musiciens. Traitement du signal. Il y en a d'autres ? Ouais, je pense. Ceux qui font du son, la production de son, des instruments électroniques, des instruments virtuels, etc. Un petit clin d'œil à Pianotech, qui est une société toulousaine fondée par Philippe Guillaume, ancien accordeur de piano, professeur de maths, directeur du département de maths à l'INSA, et qui a un logiciel pour recréer des sons de piano de façon complètement mathématique, qui est le meilleur au monde. Believe me, it's great. Mais vraiment, parce qu'il est... il est utilisé par la plupart des musiciens qui veulent recréer un vrai piano. On va y arriver. On va trouver ensuite ceux qui étudient les structures musicales, que ce soit les canons, quelque chose qui se rappelle, vous rappelez Ferrero-Jacques, c'est un canon, qui étudie le rythme. Et dans les structures musicales, je me situe sur ces trois points-là, sur les structures harmoniques, les progressions à l'intérieur et les tempéraments. Mais tout ça, on va le voir tranquillement. Aujourd'hui, on va parler seulement de l'harmonie et des structures. Voilà. Alors, je refais une petite image que je présente en cours à mes étudiants. Une théorie mathématique qui s'appelle théorie des graphes, qui a été inventée par Leonhard Euler. La date, je pompe toujours, 1700, machin là. Voilà, 1739. À partir de là, il cherchait un chemin pour passer par chacun des ponts dans sa ville, une fois, une seule. Il n'y avait pas de solution. En même temps, Leonhard Euler travaillait aussi sur des graphes musicaux, sur des chemins. Il essayait de passer par tel ou tel accord, voir les relations entre les accords. Bon, on va faire un petit jeu. Je vous avais promis qu'il y aurait une interro de maths aujourd'hui. Je vais voir si vous savez compter. Ça ne va pas être trop dur. On va essayer. Merci. Alors, on va voir un peu la création de la gamme. Au départ, à l'origine, il n'y avait qu'une seule note. C'était le mi bémol des plus belles. On peut jouer sur une seule note. Première question. 1 plus 2 égale... Merci, je vois. Alors on va faire 3 notes maintenant. C'est ce qu'on appelle la quarte ou la quinte. Vous verrez, pour les musicologues, vous me pardonnerez, parce que pour les matheux, c'est pareil. Une quarte ou une quinte, c'est simplement prendre l'opération dans l'autre sens. Alors je vais construire une gamme à 3 sons. Première quinte, deuxième quinte. Et je tombe sur une gamme à 3 notes. Voilà, on peut jouer sur 3 notes. C'est la première gamme. 3 plus 2, vous le savez, on va essayer de rajouter 2 notes. Alors je vais essayer de trouver. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long. Qui m'a hacké là ? Borte, une basse, s'il vous plaît. Oui, parfait. Il y a mis bémol aussi. Vous allez chanter la même note que Borte. Très bien. C'est ce qu'on appelle un
unisson. Bravo. Maintenant, sire, vous allez passer de l'unisson à la carte inférieure. Très bien. Maintenant, même chose avec la quinte. Voilà ! C'est tout ce qu'il y a ! Unisson, carte, quinte, et c'est marre ! Tous les autres intervalles, c'est de l'âme ! Bon, je pense qu'on va pas sur Kini, on va couper, c'est pas bien. On va quand même passer outre. Donc je vais rajouter encore deux notes, on en était à 5. Alors, on avait... On peut la reprendre dans un autre sens qui fait... C'est de la musique chinoise, ou ce que l'on appelle aussi la musique pentatonique. On va jouer sur une pentatonique, jouer sur une gamme à 5 notes, ça va être possible. C'est joli comme ça, on va la laisser à moins que... Tu peux aller plus loin, tu crois? On en rajoute deux. Mais là, je veux deux notes qui soient vraiment, comme on dit, out, qui soient pas dans la gamme. Là. Alors, on était sur... Je vais rajouter ça. Ça va sonner ou pas? On essaye. Allez, ça va nous donner une gamme à 7 notes qu'on appelle la gamme diatonique. Notes de notre gamme diatonique. Ah, non mais là, c'est faut une note qui soit pas dans la gamme. On va changer de couleur, on va mettre, allez, bleu. C'est ce qu'on appelle la note bleue, qui est utilisée dans le blues. Donc on part de notre gamme que vous avez appris à l'école, Do, Ré, Fa, Sol, La, Si, Do. Je vais rajouter une note qui est hors gamme. On va pas aller ça. On essaye quand même. Allez. À 8 et 1, ça fait gamme à 9 notes. On va rajouter une note. Allez, celle-là, tiens. C'est pas au hasard. Mais bon. Deuxième note bleue utilisée dans les gammes blues. Habitué hein, à ces notes un peu out. Donc j'en suis à 9. Ah non mais là c'est pas possible, 9 et 3 ça fait 12. C'était beau en mi mineur. Hein. On va faire un truc qui est complètement à l'opposé de mi mineur, on va jouer sur do majeur. Et je vais le mettre dans mi bémol mineur. Quelle horreur. Alors là j'ai 5 notes blanches et 5 noires, ou alors des notes blues qui font pas partie de la gamme. Voilà ce que ça pourrait donner. Avec 12 notes. Mais si j'ai 12 notes, on peut dire, on va décréter, pas l'égalité entre les notes, puisqu'elles ont des noms différents, mais l'équité. Chaque note aura le même rôle. On arrive dans un mode qui s'appelle atonal. Ça, c'est super dur à faire, parce qu'il faut essayer de faire des accords qui ne tombent pas sur des notes connues. On va voir ce que ça peut donner. Je vais jouer atonal. Thank you.
je vais finir en rendant un hommage au maître absolu qui finissait son morceau de, sur cet accord. Et un gars lui dit, mais Serge, c'est quoi cet accord que tu nous sors là? Et il lui dit, te fatigue pas petit gars, c'est du Stravinsky. Alors Gainsbourg utilisait des accords de Stravinsky dans ses morceaux de piano bar. On verra plus tard que Stravinsky est considéré à la limite du tonal et de l'atonal, parce qu'il fait des références à de la musique qu'on va avec un centre, mais en utilisant des accords qui ne sont pas, qui n'étaient pas conventionnels pour son époque, des accords du style atonal, comme celui-là par exemple. Voilà, tous égales. Alors maintenant, je sens que vous allez avoir des questions. Comme je connais les... Merci Isa, comme je connais les mathématiciens, on va faire... Non, c'est quoi ce truc-là? Ça n'existe pas, Crash, hein. Ça n'existe pas. C'est trompé en ALENAC, les gars, hein. Vous ne déconnez pas, quoi. On ne dit pas un cours d'écrasement, on dit comment réussir un atterrissage difficile dans des conditions carrément impossibles où tout le monde d'autre se serait planté s'il n'y avait pas nos anciens élèves de l'ENAC qui nous avaient guidés, contrôlés et pilotés ces beaux avions. On ne dit pas Crash Course. Alors, ceux qui n'ont pas fait de maths ou qui n'aiment pas les maths, vous pouvez dormir 35 secondes. Je connais les conférences. Si je ne fais pas d'aparté en maths, on va me poser des questions au milieu de la conférence. Je vais donc parler un peu chinois du langage mathématique. Ça va durer 3 minutes. On se trouve dans une gamme à 12 tons. Donc, on est sur Z12. On considère tout le monde à l'octave. On est dans le groupe cyclique Z12. Ce groupe cyclique Z12 peut être considéré comme la décomposition de silos de Z3 croix Z4. Je l'ai utilisé en théorie des graphes pour créer mon graphe que j'ai appelé le graphe planète, qui est un G12, un graphe à 12 sommets, qui est le produit cartésien du graphe C3 et du graphe C4, du graphe triangle et du graphe le carré. On peut l'appeler comme ça. C'était le sujet de ma thèse. Alors c'est un graphe qui est circulant. On va donc étudier ses vecteurs propres. On va utiliser la théorie du laplacien normalisé, une projection spectrale, pour transformer les objets mathématiques combinatoires qui sont des sommets, qui sont simplement des objets combinatoires, en un objet géométrique. Je vais utiliser un sous-espace fondamental, deux sous-espaces propres, excusez-moi, qui vont me donner un couple de complexes. Je vais monter ces deux complexes pour en faire un quaternion, ce qui va me donner pour chacune des 12 notes, en termes de graphe, une coloration, à la place d'être un entier ou un réel, sur les sommets du graphe, un nombre complexe en tant que couleur du sommet du graphe. Je vais me retrouver avec deux paramètres, forme et couleur, on peut les prendre comme un nombre complexe, ce qui me donne 12 indépendants. Je reviens donc ici, donc je vais vous envoyer ma blague. Tous les fly plants mènent à FCO, personne ne rigole, ils mènent à LIRF, ok. Tutti cammini portano a Roma. Je voulais en fait faire une blague, mais ça rigole pas, je veux dire que tous les plans de vol emmènent à l'aéroport de... Je savais que j'allais la rater, mais... Voilà. Donc, que l'on passe en maths avec des conditions de symétrie, en passant directement en géométrie, modélisé par des quaternions, par des graphes, on tombe toujours sur le même objet. Quand j'ai vu ça, je dis à mon prof de maths, oui, mais c'est génial, on trouve la même chose. Il me dit, non. Si tu avais trouvé des résultats différents avec des méthodes de maths différentes, alors les maths se seraient effondrées. Voilà. Donc, en maths, on a tous des approches différentes, mais à la fin, on arrive au même résultat. On finit sur un espace euclidien où chacune des 12 notes est représentée par un seul quaternion. Donc deux générateurs, les deux complexes qui sont orthogonaux. Et voilà. J'arrête avec les maths, il n'y aura plus de maths maintenant. Pour les musicologues, on y va. Ah, il l'a mis en français, c'est bien comme ça. Un cours d'atterrissage rapide. Ils sont difficiles. Alors, le cadre théorique, je suis dans la 7 théorie. Je ne m'intéresse qu'aux notes. Je ne m'intéresse pas du tout aux réactions du public, au timbre, au rythme, au tempo, à toutes ces choses, à l'acoustique. Non, seulement les notes, que les notes. Je suis dans la 7 théorie. Dans la 7 théorie, en musique, c'est 0 égale Do, etc. On fait plus 1. J'utilise l'enharmonie, donc je ne fais pas de différence entre la dièse et si bémol. Bien sûr, en tant que musicien, oui, mais dans le cadre de cette étude, on ne fera pas de différence. On va aussi... On ne considère pas les renversements. Si j'ai un Do majeur sixte, Do mi la, je ne vais pas le considérer comme un La mineur, mais je vais le considérer comme un Do majeur, puisque c'est dans un contexte de Do majeur. Donc on va faire très attention au contexte. Je ne m'occupe pas des extensions. Et on va utiliser la conduite parcimonieuse des voix, c'est-à-dire sur le piano, je bouge un doigt à la fois, pour passer par exemple de Do majeur à Mi mineur. Voilà, je vais arrêter le jargon mathématique, survenir un petit jargon. Pourquoi on compte avec 12?
C'est ce que vous savez tous faire, en fait. Ce groupe Z12 ou cette gamme à 12 notes, quand il est 10 heures, vous enlevez 8, vous tombez sur 2. 10 plus 4, vous tombez sur 2. 10 plus 16, vous tombez aussi sur 2. Voilà. C'est ce qu'on appelle en maths un groupe cyclique ou le groupe de l'horloge, ou en musique une gamme à 12 notes. Voilà pour la partie théorique. Alors je vais lancer la première partie du film. Voilà. Je vais baisser un peu, peut-être un peu fort. Alors c'est un film en trois parties que je développe. Tous les deux ans, je sors une nouvelle partie, des nouvelles extensions. Et là, c'est une version assez grand public pour vraiment reprendre les bases des maths et musique et voir ce qu'on peut faire. Je vais vous parler d'un homme très grand, énorme, qui était un des plus grands gardiens de la monnaie à son époque, qui a inventé la chatière, qui est un des plus grands alchimistes de tous les temps. Il a inventé le calcul infinitésimal. Il a fait la première relation entre chromatisme en termes de couleur et chromatisme en termes de son, de hauteur de son. Vous voyez pas ? Il a pris une pomme sur la tête. Voilà, c'est lui, Isaac Newton. Donc en tant qu'ingénieur mécanique, on est obligé de rendre hommage à Newton dans toutes les conférences. Voilà, à son époque, Newton avait 7 notes qu'il avait associées à 7 planètes et 7 couleurs. Voilà ce que ça pourrait donner à notre époque avec notre gamme à 12 sons, en utilisant 12 couleurs que j'ai fait avec mon ami Charles Gioli, le peintre, pour avoir une répartition, pas informatique des couleurs, mais une répartition un peu humaine. Alors on va faire le tour de la gamme. Premier objet mathématique, c'est le cercle. À quoi pourrait servir un cercle ? Donc la représentation circulaire, la plus simple qu'on puisse trouver. On va voir une petite application. Les chiffres que vous voyez, les chiffres romains, puisque tous les chemins mènent à Rome, sont les accords, sont les degrés sur la gamme. En général, le guitariste monte et descend. Il monte de 1, 4, 5 et redescend ensuite comme ça. Les guitaristes le savent ça. Mais en fait, pourquoi utiliser monter et descendre alors qu'on pourrait tout simplement considérer ça comme les points d'un cercle ? Alors, le blues contient trois accords de base. On le verra plus tard, ce sont trois fonctions. Ou 3 degrés, on peut les appeler aussi. J'ai pris un morceau de blues comme illustration, mais la plupart des morceaux de rock que vous entendez ont aussi 3 accords. Alors le fait de tourner dans un sens ou dans l'autre n'a pas le même sens en musique. Et ça, on le retrouvera ensuite lorsqu'on passera dans des structures un peu plus complexes. Ah, ça c'est les droits d'auteur, il faut s'arrêter. Une minute. On va passer à 2 dimensions maintenant. 2 dimensions, je suis sur un plan. Alors, je vais utiliser 2 dimensions qu'on appelle idéographiques au sens de Bertin. C'est-à-dire deux paramètres, comme vous avez un panneau stop avec une couleur et une forme. Donc la première dimension sera la couleur, la seconde la forme. Donc là, vous allez pouvoir vous poser même la question et même y répondre. Si j'ai 4 formes et 3 couleurs, j'ai donc combien de symboles ? 9 ? Non, 12, bien sûr. J'ai 12 symboles et ça tombe bien, puisque alors chaque note va avoir un symbole différent, ce qui correspond en musique à l'appartenance à tel ou tel accord augmenté ou tel accord diminué. En jazz, tel ou tel accord plus, tel ou tel accord moins. En maths, à tel ou tel point de Z3 ou de Z4. Alors, le problème de cet espace, c'est qu'il est infini. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si je continue, je suis dans un espace infini. Ça a déjà été fait, c'est pas très pratique à gérer,
Et je voulais faire quelque chose d'un peu original. Donc, on va essayer de trouver plus tard une solution pour s'affranchir de ces deux dimensions. Alors voilà, on va vous parler maintenant d'un accord. Un accord. Je vais représenter les points que vous allez voir, les numéros sont les notes. Au centre, c'est un accord. Un accord est composé de plusieurs sons. Ici, on a trois sons. En maths, c'est le graphe dual des notes, ça s'appelle le graphe des accords. Donc le dual du dual étant le primal, vous retrouvez les notes en prenant le dual des accords. Je referme la parenthèse. Sur trois notes, au centre, je place l'accord correspondant. Je vais changer une note à chaque fois afin d'avoir l'accord qui touche. Donc je sépare par une seule note. Je bouge un seul doigt sur le piano d'un accord à l'autre. C'est ce qu'on appelle la construction du tone net, le réseau de sons. Et à partir de cette structure, on va pouvoir analyser des morceaux de musique, tout ce qui est musique tonale, c'est-à-dire la musique qui va jusqu'à 1937 au 15 mars. Non, qui va jusqu'à la... qui partirent aussi de nos jours et des gens qui composent en tonal. Alors voilà, ces accords ont une seule note d'écart. On va essayer de faire le tour, voir ce qui se passe. C'est purement mathématique. Moi, je me demande, et posez-vous la question, est-ce qu'un compositeur serait assez fou pour essayer de faire le tour d'un hexagone, de façon consciente ou inconsciente? Vous qui me connaissez, vous savez que la réponse est oui. Okay. Alors, je vais repartir sur mon réseau en ajoutant les notes, le graphe dual, les accords, et je me retrouve encore dans un espace infini. On peut travailler sur cet espace infini. C'est ce que l'on va faire... à présent, pour voir comment on utilise un graphe, on utilise un dessin à deux dimensions. Alors, qui a écrit l'hymne national? Qui a écrit notre hymne national? C'est... Non, c'est Ludwig van Beethoven, pour moi, l'hymne européen. Alors, dans la 9e symphonie de Beethoven, il y a un petit passage où il y a une suite d'accords qui est remarquable. Un doigt bouge à chaque fois. Vous entendez une certaine logique dans les accords qui correspond à une logique sur le dessin. Alors la réponse à votre question, c'est oui, Beethoven a voulu faire ça. Il savait qu'il dessinait un chemin qui revenait sur lui-même. On l'a vu en cours de maths, c'est un chemin hamiltonien qui doit passer par chacun des accords. Dans ce cas, Beethoven s'est arrêté juste avant la fin pour des raisons musicales. Mais il avait vraiment dans la tête de passer par tous les accords et montrer surtout aux autres compositeurs, regardez ce que je sais faire avec l'harmonie. Donc il a été découvert en 92 ce chemin, dans la 9e de Beethoven. On peut donc parler d'un réseau de notes et voir certaines directions à l'intérieur. Maintenant, on va prendre un compositeur récent qui est décédé. Et je vais juste dessiner les notes. Les notes qu'il utilise, et vous allez voir quelque chose de... Et là, j'aurai pas la réponse à votre question. Les symboles qui s'allument sont les notes qui sont jouées actuellement. On voit que Zappa répète le même motif harmonique plusieurs fois, ce qu'on appelle en musique le transposé. Il le décale un petit peu. Ce qui veut dire, au niveau géométrique, il va déplacer la structure géométrique. Alors, est-ce que Zappa voulait faire cet effet? La réponse est oui. Est-ce que Zappa voulait dessiner un Z? Ça nous a beaucoup amusé, on ne sait pas. Non, il ne connaissait pas ça, Zappa. C'est des techniques assez récentes, mais c'est quand même assez... qu'on voit un Z.
on retrouve ce genre de motif de façon récurrente chez des compositeurs modernes tels David Bowie. On a retrouvé ça aussi chez Paolo Conte. Je vous parlerai plus tard de Paolo Conte, qui est un des plus grands, qui nous a fait l'honneur de... avec qui on a eu l'honneur de faire une conférence. Et... Ah, attraction tonale, qu'est-ce que ça peut être ça? Comment on peut être attiré? Alors on va s'imaginer notre réseau d'accords. Ah là, je vais faire pause parce que j'ai oublié de faire pause. C'est l'histoire du petit Mozart, qui était petit, comme ça. Et il était dans son lit, et le matin, son papa faisait... Mozart, il est fou, il va se faire soldat. Il arrivait, ah, je pousse tiédour, ben. Il faisait un... Et son père revenait. Mozart. Voilà. Alors, c'est ce que le principe qu'on appelle en musique de tension-résolution. On va tirer et on a envie de revenir à la maison. C'est ce qu'on a illustré dans ce qu'on appelle le Spinnentonnet, le réseau de sons de l'araignée que j'ai développé avec Hugues Serres, qui est prof dans les conservatoires et qui bossait aussi à la Sorbonne, et avec qui on travaille sur ces analyses. Alors voilà comment ça fonctionne une attraction tonale. Je vous le fais, la démo informatique, et après on le fera au piano. L'araignée a envie de rentrer à la maison. Donc pour les jazzmen, c'est le fameux 2-5-1. Tous les chemins reviennent à la maison, dans ce cas-là. Là, j'écris les accords implicites si je respecte la parcimonie. Alors, le travail que l'on va montrer ensuite, c'est la... comment font les accords pour retourner à la maison. Donc, en gros, plus je tire, plus je suis loin de la maison, plus j'ai envie de rentrer. C'est valable pour la musique, j'ai pas dit ça pour le reste. Donc... nous allons essayer maintenant de le visualiser. Excusez-moi, non, il reste encore une application. Vous allez voir, vous allez essayer de ressentir à l'aide de l'image. Normalement, l'image renforce les impressions musicales sur un morceau de The Muse. Alors cette dimension a ceci de supérieur à la dimension où on était seulement sur le cercle, parce qu'il permet de voir à peu près à quelle distance je m'en vais et comment je reviens. On va essayer de faire on va faire un petit jeu. Je passe le fil. Dominance. Voilà, je vais vous montrer les dominantes. Alors ici à l'écran, je vais rester sur une certaine tonalité. Je vais m'écarter avec la souris. Et en lâchant, voilà ce que ça va donner. Ouais. Alors on va faire ensemble des essais, puisque là, ça c'est tout nouveau. Vraiment, ça vient de sortir. Alexandre, pour la première fois en Europe, on vous le montre, le petit clin d'œil, sur lequel on vient de travailler avec Hugues Serres sur ces problèmes de dominante. Alors on peut voir qu'en musique, on va pouvoir substituer une dominante par une autre. Bon, dans la vie courante, vous avez un chef, il ne vous plaît pas, vous pouvez le remplacer par un autre chef. Là, c'est une dominante en musique qui va créer des tensions, résolutions. Je vais vous montrer si je fais avec. On va essayer. Donc je vais jouer en mi mineur. On va faire. La première dominante, c'est le si majeur. Comme Mozart, ok? On va en prendre une autre, on va prendre le Ré mineur ou le Ré majeur au-dessus.
C'est le truc de... Comment il s'appelle? Jacques Brel. Ne me quitte pas. Voilà, il utilise ce motif là par exemple. On essaie une autre dominante. On va prendre le La bémol. Ouais, elle est pas mal celle-là. C'est utilisé dans des films aussi pour faire monter la tension et redescendre la musique de film. C'est pas des accords qu'on voit souvent. On va essayer une sous-dominante. On va prendre le Do majeur. On va voir s'il y aura un compositeur russe qui aurait pensé. On va remplacer cette sous-dominante par une autre. On va prendre le La majeur. D'accord, qui tombe. Je vais t'en laisser encore une. Celle que tu veux, Isa. Voilà. Alors, ce qui va changer le discours musical, d'où je viens, où je vais, qui suis-je, où vais-je, non. C'est un peu ça aussi en musique. Certains compositeurs utilisent des directions privilégiées, utilisent aller par exemple de tel point à tel point pour revenir à la maison. Tutti cammini portano a Roma. Qu'est-ce que ça veut dire ensuite? Merci Isa. Je vais passer à la suite du film. Et on va essayer de faire des applications de ça. Alors on va faire une application du Spinnentonnetz. Ah bah oui, il y avait pensé lui. Ouais, bon. Alors, si vous n'êtes pas musicien, ne regardez pas le côté là-bas, parce qu'il est. Il va y avoir plein de termes barbares qui vont apparaître. Si vous êtes musicien, regardez-le. Et je vais vous faire le commentaire. Alors le morceau est centré sur si mineur. On commence par un échange classique et on va revenir. Ce morceau est très pédagogique parce qu'il nous permet de voir tous les différents degrés qui tournent autour du mi mineur. Alors je ne sais pas si Tchaïkovski a voulu nous montrer ça, c'est possible. Voilà des dominantes. Là il tombe deux fois. Et il revient toujours au centre. Donc cette musique est bloquée sur ce centre qu'on appelle le si mineur, le centre de la toile, et on reviendra toujours. Au début, on ne voulait pas l'étudier ça. Mon pote, il me dit c'est trop simple, ça reste en si mineur. En fait, l'intérêt, c'est de montrer tous les degrés qui sont autour et comment on revient au centre dedans, dans mi mineur. On va faire une petite balade dans les dominantes. Une sous-dominante, une grosse dominante là-haut, et on revient. Alors là, c'est un triton. Alors il y a deux façons de passer par le triton, on passe par le leading tone, ou alors passer par le haut. C'est très technique, mais ça nous a permis de voir les différences entre les tritons. Et Tchaïkovski a fait exprès, là, de nous montrer les deux façons d'utiliser un triton. Je ne sais pas s'il savait si c'était vertical ou pas, mais il nous a montré deux façons différentes de représenter cet accord. Là, c'est tendu, ça va tomber, là. On était dans le cadre de ce qu'on appelle une monotonalité. Je suis resté toujours dans la même tonalité tout le morceau. Donc l'araignée, la toile d'araignée qui symbolise le centre tonal actuel n'a pas bougé. Maintenant on va essayer de faire bouger le centre tonal au cours du morceau, voir ce qui se passe. C'est ce que vous aviez vu dans Zappa par exemple,
où la phrase bougeait. On va reprendre encore un russe. Ils ont dit qu'ils m'invitaient là-bas si je faisais du musique russe, donc voilà. Roméo et Juliette. Ça s'appelle la pompe. On engage un peu. Et il revient au même endroit. Là, il est en mi mineur. Il va bouger ensuite. Alors, ce qu'on remarque, c'est que sur le côté, on le voit dans la partition musicale, il se déplace de tierce en tierce. Le centre tonal. Et là, j'ai pas compris pourquoi ce quatrième degré avait tout le temps de... Elle est tant entre... Il fallait qu'il tombe sur le premier. Il refait la pompe sur le premier raccord. Et il va se déplacer ensuite. Et voilà. Alors non seulement l'accord revient toujours au centre tonal, mais le centre tonal du morceau revient au premier centre tonal. Voilà. Avec ses règles, bien sûr. Vous avez survécu à deux dimensions, ça va, les accords ? Vous voyez un peu les mouvements, comment on m'en est attiré. Et 2D, c'est pas assez fun. On va passer un truc un peu plus compliqué. On a vu qu'on était dans un espace infini. Et pourquoi j'irais chercher le Do à tel endroit et pas là? Donc la solution, quand on a un problème en maths, comme on dit à mes élèves, on rajoute une dimension. Donc là, je vais passer de 3D à 4D, ce qui va me donner un problème plus simple et en dimension supérieure. Alors on va le voir plus tranquillement après, ça c'est la première présentation. Vous imaginez un solide qui est fait avec 3 carrés et 4 triangles. Avec un axe passant par le centre des carrés. Donc en musique, ce sont les 4 notes d'un accord 0 ou d'un diminué. Donc on peut tourner, hein, ça tourne cet objet. Je vais ensuite imaginer de pouvoir tourner par le centre des triangles. Donc dans la vraie vie, ça ne marche pas, ça va casser. L'objet n'a pas de, ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il est en 4 dimensions et dans son monde à lui, il tourne. Et dans le nôtre, il se déforme. Si vous êtes gêné par la 4e dimension, c'est pas grave, imaginez-vous que c'est une sphère et qu'elle tourne. Voilà. Voilà. Mais cet objet-là que j'ai développé pour ma thèse, c'est une représentation unique avec des points qui sont situés sur une hypersphère. Alors voilà comment tourne l'objet. On va faire une petite démonstration avec la vidéo. On va tourner suivant les deux axes. Premier axe. Donc là, je prends plus 3. Dans l'autre sens, je prends plus 4. Puisque j'ai 12, je peux mettre ce que je veux dessus. Je peux mettre des accords mineurs, par exemple. Et je reviens sur le premier. Tournons dans l'autre sens avec des accords mineurs. Et là, on va voir les deux gammes possibles. Je fais tourner les deux directions en même temps. Alors je sais plus combien c'est plus 4, ça fait plus une quinte à chaque fois. Alors c'est ce qu'on appelle en maths une géodésique, et vous pouvez appeler ça aussi un équateur. C'est une ligne qui fait le tour de la sphère et qui revient au point de départ. Maintenant je vais faire tourner de façon différente. Je vais faire plus 4 d'un côté et moins 3 de l'autre, ce qui me fait plus 4 moins 3 égale
J'ai pas dit qu'il y aurait des noms négatifs. Hein. Ça fait plus 1. Hein. Je prends plus 4 en tournant dans une direction et moins 3 dans l'autre, je fais plus 1. Hein. Voilà. C'est celui-là qu'on appelle le modèle planète 4D où je place chacune des notes sur un... Sur un... D'accord. On va le regarder maintenant un peu moins rapidement. On avait ici un petit jeu qu'on a développé avec du Java. Voilà. J'ai 4 directions. Alors en bas, vous avez la version 2 dimensions, mais j'ai fait comme le Pac-Man, quand on sort d'un côté, on revient de l'autre. Je vais continuer dans cette direction, je repasse de l'autre côté, etc. Alors ça ressemble, c'est pas exactement le réseau qu'avait Leonhard Euler, c'est le mien, mais il est généré par 3-3, et celui de Euler, c'était 3-5. Mais autrement, c'est absolument le même système, on utilisait les 12 notes. Alors maintenant, ça va être à vous, cher public, de décider quelle va être la direction de la musique. Alors vous allez faire les mains up, down, left, right, ou alors vous dites un cap, nord, sud, est, ouest. Et Isabelle va faire la moyenne, et moi je vais suivre au piano. Alors ce qui se passe au niveau musical, lorsqu'on va prendre une certaine direction. Tu veux démarrer en ut ? On va démarrer en ut. Montez vos mains, vous descendez, elle voit, Isabelle décide, on monte. Vous avez décidé de la direction qu'elle allait prendre. Alors, le truc, c'est ça reste tout simple. C'est pas faire virtuose, mais ça permet. Alors, on avait fait une publication dessus. Ça pourrait permettre de bosser des gammes de jazz. Parce que d'habitude, vous travaillez les gammes de jazz, vous les travaillez. Bon, on va faire comme ça. Le mec, il va jouer en Do. Non, il va jouer, il va faire. Après, il va faire. Il va tous les monter dans ce sens-là. Ce qui fait que ça crée une habitude à l'humain. Mais le fait de les travailler dans un ordre qui soit aléatoire et en plus par tierces, choses qui ne sont pas conventionnelles, il est vraiment obligé de se plonger dans la tonalité et il a oublié la façon de passer d'une tonalité à l'autre. Voilà. Bon, bah, vous avez survécu à la 4e dimension. Je crois qu'on a fait le plus dur. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est bien. On va continuer sur... C'est celui-là ? Ou je suis trompé ? Ou j'étais au 3 ? C'est 3, hein ? Ouais, c'était le 3. Voilà. Alors maintenant, on était resté dans la musique tonale, c'est la musique que vous entendez le plus souvent, le plus connu. On va passer à des choses plus complexes.
On va voir les accords en quatre dimensions. Vous avez survécu aux accords en 2D. Vous avez survécu à la quatrième dimension, donc vous pouvez... Vous avez de grandes chances de survivre aux accords en quatre dimensions. Je reprends le modèle planète. Ce qui était translation devient rotation. Ce qui était une translation dans un plan devient des rotations sur la sphère. Je place au centre de Do mi-sol, je place le Do majeur. Et là, je place le Do mineur. Alors, un mot de chinois, ça s'appelle Do en chinois. Le Do majeur, c'est Ta Do. Et le Do mineur, c'est Tiao Do. Voilà. Et ensuite, c'est Ré, Mi, Fa. Ne me demandez pas les dièses, mais... Alors, si je place les 24 accords possibles, un petit brouillard artistique afin de se retrouver avec seulement les accords utilisés. Alors, on va retrouver les trois directions qu'on avait tout à l'heure. Je bouge une seule note. À chaque fois, j'ai trois possibilités puisque j'ai trois notes. La deuxième s'appelle le leading tone et la troisième s'appelle le parallèle. Relatif, pardon, c'est la mineure. On va essayer de faire comme tout à l'heure, de faire le tour de l'hexagone. Le point rouge que vous voyez, c'est le Do, c'est le centre de l'hexagone. Mais comme je suis sur une sphère, il est un peu déformé, hein, l'hexagone. À la vision. Donc, on a vu les accords, on a vu maintenant les accords en quatre dimensions. On va parler des directions harmoniques. Là, ça devient un peu plus simple. Alors, dans ce plan, je vais pouvoir aller en descendant ou en montant. Je peux aller aussi les trois directions, celle-là et celle-là, puisque j'ai trois directions. Je vais avoir six possibilités, dans un sens ou dans l'autre, et les trois directions. Ce qui correspond aux six côtés de l'hexagone. Là, on va commencer par la direction dominante. Si je continue, je fais le tour complet de la sphère en passant par les 24 accords. Je peux la prendre à l'envers aussi. Alors, est-ce qu'il y a des compositeurs qui s'amusent à faire des directions comme ça? Vous connaissez la réponse, mais la question, alors, qui pourrait faire ça? On en avait vu un. Hein. On a vu Beethoven faisait ça. Alors, vous voyez, à côté, quand on a un zigzag dans le plan, ça se traduit sur la sphère par une rotation, combinaison de rotations. Donc, ce qui est beaucoup plus... ce qui montre beaucoup mieux les symétries que dans un plan. On peut monter. Alors là, je vous montre que les routes verticales. Bien sûr, il y a des routes qui vont nord-ouest, sud-ouest et nord. Et nord-ouest, sud-ouest et nord-est. Nord-ouest, j'y arrive pas, quoi. Il y a celle-là, celle-là et celle-là. Merci. Il y a des caps. Alors, à quoi ça va servir? On a vu ces directions. On va avoir une direction harmonique verticale. On va pas prendre Beethoven cette fois-là. Voilà, on va prendre un... qui s'appelle Polo, c'est l'ancien chanteur du groupe Les Satellites, qu'on a rencontré à Paris, avec qui on a fait un concert au conservatoire. Il faut y aller pour lancer un gars qui fait de la chanson comme ça dans un conservatoire, avec des maths. Il y en a qui se sont arrachés les cheveux, mais on est content, on l'a fait. Alors lui, il utilise un zigzag qui monte. Il va passer par tous les accords possibles, comme voulait le faire Beethoven. Voilà ce que ça donne. Algue tendre de mille plats, je frôlant le ventre des nuages, je. Vous sentez que la musique monte un peu? Cheveux de pluie. On ne sait pas pourquoi quand on fait que l'entendre. Alors grâce aux visualisations, on voit un peu ce qui se passe derrière. Frissonnent à l'unisson. On va le voir en quatre dimensions ce que ça donne. C'est un zigzag, donc ça devient une ligne parfaite, une courbe parfaite, que l'on appelle une géodésique ou un équateur. Il va refaire le tour de tous les accords. Pêcher le corail du pavot dans le sang bleu des coquelicots.
croisée matin dans l'herbe folle. De tourterelles qui s'envolent. Suivre les jeux des alors éclairs. La toile d'araignée monte de temps en temps, c'est parce que le centre tonal va suivre aussi. Sur mais elle ne s'arrête pas à toutes les étapes, c'est fait exprès. C'est, ça respecte la contrainte musicale qu'on avait donnée de passer partout. Mais lui, il faut qu'il rajoute, il faut que ça soit joli. Donc il fait bouger aussi le centre tonal. On va voir vertical, on va reprendre mon compositeur préféré. Donc là, ça va beaucoup plus vite avec Beethoven. Et c'est la même chose. On va faire le tour de la sphère. Mais ça va vite, je sais, mais c'est la régularité qu'il a voulu. Alors bien sûr, Beethoven ne se limite pas à la 9e symphonie. La 9e symphonie, le génie de Beethoven, c'est pas que ça. Il y a l'orchestration, il y a les tempi, c'est toute une œuvre Beethoven. On ne montre qu'une petite partie, qui est le chemin harmonique dans une symphonie de Beethoven. Voilà. Je ne dis pas que Beethoven, c'est que ça. Pour moi, c'est le plus grand, mais... Il a utilisé aussi d'autres choses. On verra d'autres compositeurs. Je me demande s'il y en a un qui a fait un hexagone, parce que ça serait fou. Alors, fais une petite analyse maintenant sur un morceau très tranquille. Là, vous pouvez vous relaxer, dormir, enfin, regarder les images. On va voir deux chemins qui ont été inventés par Wagner. J'ai essayé au piano, j'y arrive pas. Il doit manquer un truc. Quoi. Voilà. Il y a quelque chose d'assez. Le centre tonal se déplace. Il sort par le bas et revient vers le haut. Exactement pour retomber à la maison. Ça me fascine toujours, j'ai toujours pas compris. Ça fait, je sais pas combien de fois je le regarde. Mathématiquement, je vois ce qu'il fait, mais je vois pas pourquoi ça sonne comme ça. Mais il y a peut-être aussi toute l'atmosphère qui est autour. On va le regarder sur la sphère, ce passage de Wagner. La sphère tourne toujours dans le même sens. Et maintenant, voilà la fameuse partie. Quand on a vu quand on a fait la visualisation mathématique de ce passage, on est tombé sur les oreilles. Donc là, on va revenir donc ce chemin vertical. Deuxième partie tirée de l'ouverture. Démarre en do mineur. Il fait le tour du sol. Tension maximum. Il refait tomber la tension en revenant par l'autre côté. Alors sur la sphère, vous allez voir apparaître un moment un accord qui n'est pas dans le manuel, comme disait Coluche. C'est un accord de sol 0. Et on verra juste après le moyen de représenter des accords non conventionnels dessus. Autrement, regardez qu'on va faire le tour de l'hexagone, le tour du sol.
Là, il y aura l'explication juste après du 6-0. Mais en analyse pure, si on reste en 2D, on le considère le 6-0 comme la dominante, on le considère comme l'accord de sol. Rappelez, petit Mozart, sol, qui retombe sur un do mineur ou un do majeur. Alors, s'il y a des musiciens parmi vous qui ont envie de faire le tour de l'hexagone, de me montrer, d'arriver à faire une jolie phrase en faisant le tour, c'est... je suis preneur parce qu'on n'y on arrive pas. Enfin, si, mon prof au Mirail saurait faire, mais je veux dire, parmi les mortels, c'est assez difficile. Alors, alors Wagner, oui, il voulait faire un hexagone, mais il ne savait pas que c'était un hexagone. Il voulait vraiment faire le tour dans une direction autour du sol et revenir sur ses pattes, revenir à la maison, dans un sens. Il le sait qu'il fait ça musicalement. Mais grâce à ces outils, on peut vous montrer par où il passe, Wagner. Et mon prof de musique qui savait ça, il ne voyait pas que c'était un hexagone, il connaissait les chemins, il avait ses noms musicaux dessus, mais un peu trop dur pour un profane. Voilà, on a fait le tour de la musique tonale. Maintenant, on va faire des accords quelconques. Alors, si vous avez des oreilles un peu... Vous n'êtes pas habitué à la musique pas tonale, ça va vous faire drôle. C'est simplement un autre style de musique. Et on va essayer, à l'aide de l'hypersphère, de représenter n'importe quel accord. Ce qui a été la nouveauté, ça ne s'était jamais fait avant. Il n'y a pas de moyen en deux dimensions de le faire. On peut le faire qu'en 4D. Alors, prenons trois notes au hasard. Au milieu, je place un accord. Ce qu'on appelle en maths le barycentre, le centre de gravité ou le... Alors, comme je suis sur une sphère, je ne mets pas au centre, mais je le mets sur la sphère. Un peu comme entre ici et Pékin, le milieu, c'est pas 100 km sous la Terre à Moscou, mais c'est en passant par Moscou. Donc, on fait toujours le tour de la sphère en avion. On va le faire aussi en musique. On ne prend pas la distance la plus courte, on prend la distance autour de la Terre. On va refaire tourner le mode planète 4D. Là, j'affiche les 12 notes, parce qu'on va avoir besoin des 12 notes pour faire n'importe quel accord. Plus 4 moins 3 égale plus 1, ce qui me fait une gamme chromatique. Je vais placer les autres accords en gris pour donner un effet un peu plus sphérique. Alors on va essayer de représenter tous les accords possibles. Enfin, excusez-moi, on va essayer de représenter d'autres types d'accords que les accords à 300. Vous voyez déjà une symétrie entre Do, Fa, Do, Sol. Il y en a qui se ressemblent. Donc là, on retombe sur l'accord tel qu'il était, Do majeur. C'est-à-dire que cette nouvelle théorie avec les accords quelconques, je retrouve, comme on doit faire en maths, la théorie qui était avant avec les accords standards. Lui, il s'appelle Do 7. Donc il est à côté de son frère qui est le Do standard. Oui, pour les matheux, je répondrai à la fin, après la conférence, comment je fais la moyenne des quaternions et pourquoi je passe par tel ou tel endroit. Mais sachez que c'est possible de représenter tous les accords si j'ai avec moi un musicologue qui me dit c'est tel ou tel accord dans le cas d'un accord symétrique. Je referme la parenthèse. L'inconvénient, c'est que plusieurs accords peuvent avoir la même représentation. On ne peut pas gagner partout, mais c'est un progrès par rapport aux représentations 2D où on n'a aucune possibilité de représenter des accords atonaux ou même plus complexes qu'une triade, plus complexes que 300. Pour ceux qui avaient suivi, Gainsbourg, Gainsbourg. Stravinsky. Alors on va essayer de regarder un passage de Stravinsky. Alors cette musique est atonale, normalement il n'y a pas de tonalité dedans, mais dans Stravinsky ça sonne tonal. On peut dire pour les profanes ça sonne encore agréable à l'oreille. Et vous allez voir des mouvements sur Stravinsky. On va voir une forme d'accord qui se répète. Ça va super vite, mais on revoit qu'il refait exactement les mêmes accords, mais dans une autre position.
C'est ce qu'a voulu faire Stravinsky. Il a voulu faire des accords qui sonnent atonal, mais les répéter aussi. Ça, mon prof de musique, il le savait, mais lui, c'est lire les partitions. Qui le voit, nous, on peut le voir, je le vois seulement avec ça. Alors dans ce Stravinsky, on revoit souvent les mêmes motifs qui reviennent, donc avec d'autres couleurs. C'est-à-dire que la sphère a pris d'autres positions, mais il réutilise ces schémas. Ensuite, je vais vous parler d'un compositeur qui pour moi est une des morts les plus bêtes qui est jamais arrivée dans l'histoire de la musique à cause de la cigarette. C'était la fin de la guerre. C'était un Allemand, un Autrichien. Attends, merci. Et il est sorti sur son balcon, fumait une cigarette et il s'est pris une balle. C'était en 1945. Vous voyez de qui je peux parler? C'était un des plus grands. Il est mort très jeune. S'il avait survécu, il a laissé derrière lui une œuvre considérable dans le domaine des leaders. Les profs de musique ont trouvé qui c'était. Qui? Non, pas Strauss, de l'époque atonale. C'était un fils spirituel, c'était un gars de l'école, c'était le pote de Berg. Bon, ok. Non, c'est un de mes préférés. Lui, il utilise les symétries, mais de façon. Voilà. Alors, on va regarder, je vais vous faire l'analyse de Webern. Je m'intéresse qu'aux notes. La pièce est centrée sur Ré, sur la note numéro 2. On va voir le 2 qui apparaît souvent dans cette œuvre. Centré sur Ré, 2. Forme standard de son accord. Accord centré sur Ré, mais sans le Ré. C'est voulu. Hein. Il revient sur Ré. Il va faire ensuite un mouvement chromatique. C'est-à-dire qu'il... Alors, pour faire le chromatisme, il enlève des doigts du piano. Ce qui fait que la sphère se déplace. Donc il se déplace dans cette direction qui était chromatique. Il va revenir à la même forme d'accord qu'il avait au départ. Là, il joue sur la note 4, il fait des mouvements chromatiques, il monte, il descend. Il revient sur Ré. Il va refaire un mouvement chromatique autour du Do. Voilà. Il refait un mouvement chromatique entre Sol et La bémol, et il finit sur son accord de départ et il arrive sur le Ré au départ. Alors ça, c'est des choses que moi j'entends pas et que j'arrive pas à lire sur une partition. Si avec ces outils là j'ai pu voir un peu ce qu'il y avait dans la musique de Webern. C'était la dernière fois où on parlait musique et théorie très, très complexe. Maintenant on va juste parler du son. C'est la dernière partie du show. Je vais vous parler des spectres sonores. On va lier le spectre sonore de la note la plus grave à la plus aiguë possible, à la lumière, la couleur la plus rouge et la plus violette. Merci. Alors ça s'appelle l'hypersphère des spectres. J'imagine... Ah, en fait, il parle mieux que moi. Voilà. Les notes que je ne peux pas entendre jusqu'aux ultrasons. Alors comme je suis un peu taquin, j'ai triché un petit peu, j'ai dit qu'on avait exactement 12 octaves et pas 11 octaves, 57 de l'oreille humaine. Donc si j'ai 12, 12 égale 3 fois 4, 3 fois 4, je retombe sur mon graphe. Et à la place d'avoir des notes, je vais avoir des octaves maintenant. Je passe de 2D à 4D directement. Et donc je fais le tour d'une géodésique, le tour d'un équateur, pour avoir tout le spectre. Et maintenant, je vais pouvoir... placer chaque note. Alors ça, c'est un sinus, c'est un son pur. Je vais rajouter des harmoniques maintenant. Si je rajoute des harmoniques, ça me fait dévier de la courbe qui représente le sinus pur.
Je suis un peu à côté. Ouais. Alors c'est un modèle théorique qu'on a développé avec Stéphane de Gérondeau, qui est prof Conservatoire supérieur de Paris, qui est compositeur, qui a fait des opéras. Et en fait, quand on rencontre, il me dit « Ouais, tu bosses en quatre dimensions, t'es un petit joueur. » Je dis « Ah bon, combien t'en veux ?» Il me dit « Mais il faut une infinité. » Donc on a dit « Entre 4 et l'infini, on va peut-être trouver un moyen de s'arranger. » Donc on est parti sur plusieurs dimensions. Donc on va voir, on a la couleur qui va représenter, on va voir la taille. On a deux planètes. On a celle qui représente la position du son. Au centre, la couleur change en fonction de l'environnement. Et Stéphane a écrit une œuvre que je vous présente là, dont la représentation correspond à « It's match what you hear ». Et en bas, vous avez c'est une ville, c'est pas fait. C'est ce qu'on appelle le spectrogramme. En deux dimensions, vous avez le temps ici, et là, ce sont les notes qui apparaissent. Plus c'est rouge, plus c'est fort. Donc la représentation du bas est connue et utilisée depuis très longtemps, ce qu'on appelle le spectrogramme. Mais par contre, celle qui est au-dessus avec l'hypersphère n'a pas été est originale. Alors la couleur qui change, j'ai fait un barycentre sur les couleurs aussi. Je ne sais pas si ça existe, mais en maths on peut tout faire, on met ce qu'on veut, on fait un barycentre. Barycentre sur les couleurs, c'est chouette. Et je réutilise les couleurs de Charles Gioli pour placer exactement entre 0 et 12 ma couleur. Voilà. Ça, ce sont les gens avec qui je travaille, qui sont de... Il y a des Ricains, il y a des Hongrois, il y a un peu de tout, quoi. Les Français. Et c'est notre club de mathé musicien. Les modèles que vous avez vus, j'ai pas tout développé tout seul. Le premier, le planète 4D, c'est moi qui l'ai fait, c'était ma thèse. Pour les accords, je l'ai fait aussi tout seul, NI7 aussi. Ensuite, l'hypersphère des spectres est avec Stéphane de Gérondeau, de Strasbourg. Louis Bigot, j'ai travaillé d'autres, des symétries. Ah, j'avais oublié de vous dire que mathé musique, il y a une conjecture qui s'appelle la conjecture spectrale, qui a été résolue pour certaines dimensions. Et en dimension 1, elle n'a pas été résolue. Et Emmanuel Amiot, qui est un des mathématiciens, a montré qu'un certain type de canon qui s'appelle les canons du Vusa était une solution pour résoudre la conjoncture mathématique. Donc, à l'aide de la musique, on peut résoudre des problèmes mathématiques.